Bonjour. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée. En fait, la question, c'était comment on peut ajouter des collègues enseignants à un espace de cours avec le profil d'enseignant éditeur ou bien le profil d'enseignant non éditeur. En fait, pour faire cette manipulation, il faut avoir déjà le profil d'enseignant éditeur. Donc là, par exemple, au niveau de cette espèce de cours, j'ai le profil d'enseignant éditeur. Je vais aller vers utilisateur. Au niveau d'utilisateur, vous avez ici utilisateur inscrit. Donc on clique sur utilisateur inscrit. Puis je vais inscrire des utilisateurs. Là, je peux choisir évidemment parmi la liste des profils qui sont sur la plateforme. Je vais choisir par exemple au niveau du rôle à attribuer. Donc, je vais attribuer le rôle d'enseignant. Donc, à ce moment-là, l'enseignant choisi donc aura le profil d'édition. Donc, il peut agir, il peut ajouter des activités, il peut corriger des activités, il peut ajouter des ressources, il peut faire ce qu'il veut au niveau de l'édition de la plateforme. Donc, là, je vais cliquer pour ajouter la personne en question et je vais terminer l'inscription. Évidemment, la même manipulation, on peut la faire aussi si on veut ajouter des étudiants. Par exemple, si on a un nombre réduit d'étudiants, on peut aussi les ajouter de la même façon, comme on peut ajouter des enseignants non éditeurs, c'est-à-dire ceux qui vont seulement corriger des activités ou bien suivre les étudiants sans pouvoir ajouter quoi que ce soit au niveau des espaces de cours. Donc, une fois qu'on a ajouté les utilisateurs, il y a aussi une petite manipulation qu'il faut faire, de préférence aussi, au niveau par exemple d'un groupe. Donc, si vous avez un enseignant éditeur, si vous allez réserver donc la communication de l'enseignant par rapport à un groupe bien défini, vous allez choisir le groupe en question, par exemple ce groupe-là, et je vais essayer d'ajouter les utilisateurs. Donc, je vais chercher notre utilisateur qui est par exemple donc celui-là et je vais l'introduire au niveau du groupe en question. Donc là j'ai un enseignant, donc vous voyez l'enseignant il est là avec le profil d'édition, donc il peut agir facilement, il peut intervenir facilement avec ses étudiants. Voilà, je vous remercie pour votre attention.